Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien, c'est toujours moi, Samospita. Et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc comme vous voyez l'écran qui est là, je reviens encore sur la bourse de l'Irlande, voilà. Je rappelle encore que la bourse est 100% financée par le gouvernement irlandais, donc ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez déjà postuler. Et si vous voyez ça, et que vous voyez mon mot de passe est là, et puis il y a mon mail et mon mot de passe, ça veut dire que j'ai déjà fait l'enregistrement. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de l'enregistrement, vous pouvez vous rendre ici. Voilà. Et si vous cherchez le lien comme ça, vous allez voir le lien juste en dessous. C'est ce qu'on appelle description. Pour ceux qui me posent la question à chaque fois de savoir où est la description, voici la description qui est là. Et j'ai mis le lien là en dessous. Vous voyez? Donc, si ceux qui sont vraiment intéressés à postuler à cette bourse-là, vous pouvez déjà aller voir et essayer de postuler. Moi, j'ai déjà commencé. Et lors de la candidature, par exemple, je vais faire un lodging. Je vais aller directement et si c'est possible, ça va passer rapidement. Et puis voilà, je vais vous montrer. Je fais un loading et je vous montre directement que voilà, c'est là qu'on est arrivé. Et j'avais déjà complété. Vous voyez là, ils ont mis complète. Ça veut dire que j'ai déjà fini. Et si je dois commencer maintenant, je dois venir là pour cliquer et essayer de commencer. Mais pour commencer, n'oubliez pas, j'ai déjà fait la vidéo auparavant, que vous devez d'abord avoir une admission avant de chercher à postuler à cette bourse-là. Pourquoi? Parce que si je reviens ici, je fais Edit, je vais dire que je vais voir ce que j'ai fait ici. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous devez avoir cela. Attendez que je mette en français, comme ça va arranger tout le monde. Donc, moi, je mets en français et j'arrive là. Lorsque vous arrivez là, par exemple, avez-vous une offre finale ou conditionnelle d'une université? C'est-à-dire que vous devez d'abord avoir une admission dans une université avant d'arriver ici. Regardez si je mets non, par exemple. Si je dis que je n'ai pas, vous voyez, merci de votre intérêt, mais vous n'êtes pas éligible à postuler. Donc, vous ne pouvez pas postuler à cette bourse-là. Voilà, donc, c'est très important d'aller d'abord chercher l'admission. Vous vous enregistrez normalement. Voilà, vous mettez sauvegarder ici. Et vous allez maintenant chercher à postuler à une admission dans une université de l'Irlande. Donc, moi, j'ai choisi l'université technologique de Munster. Voilà. Donc, c'est avant de pouvoir cliquer ici. Donc, moi, j'ai choisi l'université de Munster. Ça, c'est l'université de Munster. Vous voyez là. Voilà. Donc, l'université Munster. Technology University. Donc, moi, c'est cette université que j'ai choisi parce que ça fait partie de la liste. Et si vous voulez chercher, par exemple, comme ça, la liste des universités, moi, je peux vous donner quelques noms d'universités. Voilà, pour ceux qui sont vraiment intéressés, si vous voulez. Donc, il y a, comme ça, le Collège américain de Dublin. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir cette université-là, vous allez postuler à son sein. Il y a l'Institut de technologie d'Alton. Il y a le Collège de technologie informatique. Il y a le Collège de commerce de Dublin. Il y a l'Institution universitaire de la ville de Dublin. Il y a l'Institution universitaire de technologie de Dundalk. Il y a l'École de commerce de Galway. Il y a aussi le Collège Griffith Dublin. Il y a l'École de commerce aussi de l'ICD. Il y a autre encore. Voilà donc. Je vais essayer de mettre des liens comme ça en description. Comme ça, vous allez pouvoir postuler à ces universités-là. Donc ici, par exemple, comme ça, nous sommes étudiants étrangers. Donc, je voulais vous rappeler encore que la bourse concerne que les masters. Maintenant, si vous êtes en licence et que vous voulez postuler dans une université pour aller faire la licence, alors vous pouvez postuler dans l'université, mais vous allez seulement appliquer par rapport à la bourse qui se trouve dans l'université, pas la bourse que je suis en train de postuler. Voilà, donc c'est assez important, vous devez retenir cela. Et ici, par exemple, comme ça, moi, je vais choisir dans les normes. Je fais un postgraduate, donc je vais venir là. Je vais choisir pour les étudiants internationaux ici. Voilà, international ici. Je vais aller voir si c'est international. Donc, international, ça veut dire que non-UE, non-Union européenne. Donc, nous sommes ici. Donc, on va cliquer là pour aller voir un peu s'il y a master pour essayer de chercher. Si vous voulez postuler et que l'admission dans cette université n'est pas encore ouverte, alors vous changez d'université. Voilà, mais faites cela en fonction de la filière que vous voulez ou bien de la faculté que vous souhaitez. Donc ici, par exemple, je vais mettre en français pour ceux qui... Voilà.
Et en ce qui concerne aussi, il faut un certificat d'anglais ou pas et tout ça, ça c'est directement sur le site de l'université que vous pouvez voir tout ça. Dans le cas contraire, si il se trouve que vous devez avoir un certificat d'anglais, alors je suis désolé, mais vous devez chercher au moins avoir ce certificat, comme je vous ai dit. Donc, ici, par exemple, comme ça, on dit je suis étudiant international, où dois-je postuler? Étudiant non européen postulant à des programmes d'enseignement à temps plein, vous pouvez postuler via le bureau international, veuillez cliquer ici. Voilà, donc ça c'est pour nous, ça c'est pour les UE, étudiants. UE, non UE, postulant à un programme de recherche. Donc, je rappelle encore, soit vous postulez à un programme de master ou bien de recherche. Donc, vous pouvez venir ici postuler là. École de supérieur, école supérieure, école des études supérieures. Vous pouvez cliquer là. Maintenant, ici, Erasmus étudie à l'étranger. Vous pouvez postuler via le service concerné. Vous devez vous assurer que votre institut a déjà un accord avec ce qu'elle a. Étudiant étranger ou échange. Donc ici, par exemple, nous, on est étudiant non européen et on veut étudier à temps plein. Alors, on vient ici. Donc, on fait cliquer ici. On voit un peu les filières qui sont là. Si vous avez bien remarqué ici, les candidatures pour la rentrée de septembre sont désormais ouvertes. Date de clôture, le 31 mai 2024. Donc, ça veut dire que on peut postuler. Vous voyez? Voilà, donc, si on peut postuler, alors, on va vérifier les programmes. Et aussi, on va essayer de postuler, on va chercher une admission ici pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir l'utiliser sur notre application qui se trouve ici. Voilà, ça c'est la bourse qu'elle a. Ça c'est la bourse. Et nous, on postule pour avoir une admission avant de venir postuler à la bourse. Donc, la date de clôture, c'est quoi? C'est le 31 mai. Voilà, en grosso modo. Et ici, comment vous devez faire votre demande? Vérifiez que vous remplissez les conditions minimales d'entrée. Ces détails spécifiques à votre pays peuvent être trouvés dans la section. Voilà. Ok, donc ici, vérifiez que vous répondez aux exigences linguistiques en anglais. Donc, on va télécharger et remplir le formulaire de candidature. Veuillez cliquer ici. Il y a un formulaire ici que vous devez remplir et rassembler vos documents. Et à la suite de ce document-là, vous devez rassembler tous les documents qui sont là. Voilà. Donc, le document, il y a la photo du passeport, il y a les relevés des notes, consolidés non acceptés, ou certificat d'examen, de fin d'études, relevés des notes secondaires, incluez les notes officielles, bon, ça, vous comprenez déjà. Il y a le certificat de fin d'études, plus le système de notation de l'institut. OK. Certificat de compétences en anglais, le cas échéant. Vous voyez que ce que moi, je viens de dire, il vient aussi de préciser cela. Donc, si il se trouve que vous avez mis le cas échéant, si il se trouve que votre filière vous demande comme ça un certificat en anglais, alors vous devez soumettre. Dans le cas contraire, c'est pas la peine. Voilà donc le CV et une déclaration, c'est-à-dire ça, c'est la lettre de motivation. Voilà, donc c'est assez important. Et en cas d'imposition, fusionnez vos documents de candidature en un seul document PDF et envoyez-les par courrier ici. Donc ça. Pour pouvoir postuler à l'admission, c'est hyper simple. Ici, c'est hyper simple. Donc, essayez de faire, vous rassemblez tous les documents, y compris ce document qui se trouve là. Voilà, ça aussi, vous allez remplir. Je vais cliquer là pour vous montrer un peu, pour ceux qui, chaque instant, disent qu'ils n'ont pas revu. Donc, le document qui est là, vous remplissez tout, 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 tout. Voilà. Et vous associez ce document-là avec les documents qui sont énumérés ici. Vous voyez? Et quand vous finissez, vous envoyez le tout au mail qui est là. Voilà. Donc, quand vous finissez, ça c'est pour avoir une admission. Et lorsque vous avez l'admission, en ce moment-là, vous allez l'utiliser là-bas. Donc, ici, on dit, nous disposons d'un délai de traitement de 3 semaines. Donc, en 3 semaines, vous avez une admission. Merci de ne pas contacter en ce moment-là. Vous devrez peut-être soumettre d'autres documents, par exemple un portfolio pour le programme artistique. Les candidatures incomplètes ou brisées ne seront pas acceptées. Et rétabliront votre évaluation. Vous serez contacté par email pour avec une offre ou bien un refus. Voilà, donc ils vont vous envoyer un mail pour savoir si vous avez réussi à l'admission ou pas. Voilà, ils vont d'abord examiner votre dossier. Ok, donc une fois que vous postulez là et que vous avez une admission ici, vous revenez sur la plateforme qui est là, ici. Voilà, vous avez vu que c'est en ce moment-là qu'on pourra ici mettre que on a une admission ici. Avez-vous une offre finale ou conditionnelle? Vous mettez oui.
Avez-vous une offre d'études en tant qu'étudiant à temps plein et payant hors UE, vous mettez oui. Voilà, donc, parce que vous avez déjà là-bas, c'est comme si là-bas vous payez. Et lorsque l'université va vous demander de payer, il y a cette bourse-là qui va appeler pour dire non, l'étudiant a une bourse avec nous, donc c'est nous qui prenons en charge les frais de l'étudiant dans votre université. Voilà, donc, ici, maintenant qu'on a eu peut-être comme ça notre admission, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient là et on clique sur commencer. Et vous allez voir qu'il y aura l'interface qui va se proposer pour qu'on puisse insérer nos données et aussi essayer de mettre nos éléments jusqu'à ce qu'on puisse soumettre. Donc ici, il y a, je vais ouvrir ici. Et là, on dit quoi? Une fois que vous avez cliqué sur soumettre, vous ne pouvez plus modifier votre admission. Donc ici, lorsque vous ouvrez, on dit il me reste 37 jours pour le soumettre. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est assez important. Donc, quand vous allez finir de mettre tous les documents ou bien tous les éléments qui sont là, vous allez voir que ici, soumettre va s'implanter et vous allez soumettre votre candidature. C'est assez simple que ça. Donc, tous ceux qui veulent vraiment postuler, voilà, nous aussi, on est là, on postule pour ceux qui sont intéressés. Donc, si vous êtes intéressé, faites-nous signe, on va essayer de vous aider à le faire. Donc, vous voyez là. Voilà, donc quand vous finissez de remplir, vous fermez et vous revenez à la première partie, c'est-à-dire la partie qui se trouve ici. Vous finissez de faire ça, vous arrivez ici, admissibilité des candidatures, ici aussi, vous ouvrez, vous remplissez à l'intérieur et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, donc je crois que j'ai bien expliqué. Maintenant, pour ceux qui ne maîtrisent pas et qui veulent qu'on suive leur candidature, faites-nous signe, on va essayer de faire ça avec vous. Ok, donc les gars, c'était moi de son hospital et voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, laissez les questions en commentaire pour des choses que vous n'avez pas bien saisies, pour que je puisse au moins vous aider à mieux comprendre. Ok les gars, à plus et puis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.